Aujourd'hui, on va réaliser le chapeau de Luffy, mais en géant. Et à la fin, on ira le donner à Inoxtag. Par contre, je sais pas du tout comment m'y prendre. Avant tout, faut qu'on fasse des petits calculs. Voici le chapeau de Luffy approximatif. Là, c'est plus un chapeau Madrid. Il est plat. C'est ça, non? Bah là, on dirait juste un chapeau de magicien. Là, maintenant, la question, c'est combien de mètres ça va faire ça? Et ça aussi. En gros, ça plus ça est égal à ça. Là, on a 2 mètres, là. C'est pas beaucoup. 3 mètres. Ah bah non, c'est pas possible. Entre les côtés, c'est la même... Donc ça veut dire que... Je sais que je suis pas très bon en maths et que je suis plutôt gaze même. Mais dans un milieu, quand on veut réussir, à force de persévérer, on peut devenir plus fort. Je vais trouver le résultat tout seul, j'ai pas besoin de putain de chat GPT de merde. Pour agrandir proportionnellement le chapeau de One Piece... Bon allez, on va aller acheter tout ce qu'il faut. On a trouvé ça, qui se pliait plutôt bien. Donc là, on en a pour 89 euros, sans la paille. Et sans avoir construit, j'espère qu'il manque plein de trucs et tout. Putain, j'ai pas envie de savoir. Et voilà. Alors ça paraît complètement fou. Et vous vous dites, mais comment c'est possible? Mais on va vraiment faire le chapeau avec ça. Avec seulement 2 tuyaux, on peut faire déjà tout ce rond-là. On va tester maintenant. Pourquoi je sens que ça va être dangereux ce qu'on fait là? Il veut pas rentrer. Il est rentré. Ah, mais il faudrait du scotch. J'ai du scotch dans le sac. Attends. C'était quoi ce « attends » là de Daron? Viens, on s'approche du sac. Non, lève-le pas. Lève pas. T'es prêt? 1, 2, 3. Yes. Oh. Non. Mais tu sais que même en collant, je pense que ça va jamais tenir. Allez, on va mettre la colle direct. Moi, je trouve que pour l'instant, on se démerde plutôt bien. C'est bon. Vas-y, mets-lui dedans. Enfonce. Il va casser, là. Balle. Vas-y. Oh non. J'en peux plus. Je suis le plus grand des pirates. J'en peux plus, pitié. Pio, ça... Vite. Aide-moi à retenir l'autre. Mets la colle. Là. Gratte-moi le nez. Ça me casse le nez. C'est pas celui-là. Non, il se décolle. Non. Mais comme je vous l'ai dit au début, à force de persévérance, on peut toujours y arriver. Tadam! Et voilà, c'était un jeu d'enfant. Faut que je montre en réalité ce qui s'est vraiment passé. Bon, mon sauveur est arrivé. C'est quoi ta solution du coup? La solution, c'est papa d'un maman. Wesh! Oh, il est trop fort! Oh, le sauveur! Ouais, c'est bon, c'est chaud là. Ça y est. Le vrai chapeau comparé à notre chapeau. 2m50. Ils vont être déçus les gens, tu penses? Au moins, il ira sur ma voiture. C'est un gros chapeau ça, non? Là, en gros, on a fait tout ce tour là. Et là, on va devoir s'attaquer à faire des fondations pour pouvoir faire ça là. Et je pense que demain, on pourra commencer à mettre la paille et bien sûr le ruban rouge qui est ultra important. Sinon, c'est tout sauf le chapeau de Luffy. Ah, ils sont affreux, BP. Wow. Allez, viens, rentre dans le cercle. Du coup, les petits bateaux, ils vont servir, on va les mettre là. Tac, 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 tac. On va s'arrêter ici pour ensuite, après, pouvoir commencer à monter. Et là, le chapeau va commencer à avoir une petite gueule, là. C'est moi qui vous le dis. C'est parti, allez. Et du coup, ça donne ça. Et là, il y aura le rond central juste là où je suis pour faire le chapeau. Est-ce que le chapeau, il me va bien ou j'ai une dégaine de con? Genre, c'est nul. Moi, Mr. Beast. Mr Beast, aujourd'hui, on reste dans le cercle. Le dernier qui sort gagne 10 000 euros. Et voici, c'était ma pure idée. J'ai eu cette idée, je me suis dit, on va les couper en deux. Non, c'est moi, les gars. J'attendais, je voulais voir s'il allait rien dire. C'était l'idée de Pio. Et bonne idée, vous allez voir, on dirait pas des bras de T-Mobile. Bon, le chapeau, il prend forme, mais je me dis, putain, ça prend du temps quand même. Hein. Il doit être dedans, ça les chiens. J'arrive pas. L'étape cruciale, c'est l'étape pour avoir le haut du chapeau. Et comme dans One Piece, il faut que le chapeau en haut soit arrondi. Et je savais pas trop comment faire. De base, je voulais juste prendre les tuyaux, les faire monter vers le haut et après... Et en fait, j'avais pas d'après. J'aurais sans doute improvisé et j'aurais eu un chapeau carré. Et là, mon père me dit « Et pourquoi tu prends pas ?» On y parle pas comme ça. « Et pourquoi on prendrait pas 2 tuyaux qu'on va chauffer pour bien arrondir pour avoir un beau chapeau comme Luffy ?» Putain, merde, fallait y penser quand même. Tu mériterais d'avoir le chapeau, là, pour cette intelligence de fou, là. Tu mets le chapeau. Je prends le micro. Et tu te démerdes et moi, je m'en vais. Allez, salut. Vas-y. Salut. Et tu dis quoi? Allez, salut. Allez, salut. Eh, vous allez où, là? Bah, je fais tout seul, vas-y. Ah, je fais tout seul. Bah alors, je pense qu'on va faire comme ça. On va faire un espèce d'arrondi comme ça. Vous voyez? Chat GPT. Vous voyez? C'est super drôle, Pio a dit, c'est Chat GPT. Quand tu travailles pour le chapeau, faut que tu mettes le chapeau. Dites, oh, ton papa, on l'adore, on veut le revoir plus souvent dans les... Ça va?
dans les vidéos, comme ça, il sera souvent là pour m'aider. On est comme ça que je... S'il vous plaît. Dans les commentaires, s'il vous plaît. Sachez qu'il est dispo tous les vendredis après-midi, et samedi et dimanche. T'es malade, j'ai des lentilles. Ah non, j'en ai pas. Waouh, mais c'est exactement ce qu'il faut. Oh, c'est parfait, non, c'est parfait. Parfait, incroyable. Waouh, on a déjà fini le plus dur. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre la paille dessus. Donc, on se donne rendez-vous demain pour mettre la paille. À demain. Oh putain, et ben, on est le jour 2 et on a acheté la paille pour mettre sur le chapeau et on a acheté le ruban rouge. Je sais pas du tout comment on va se débrouiller, je sais que là vous me regardez en mode mais comment on va faire. Moi je pense, ma solution, ça serait ça. On va venir couper la paille en cette forme là et on va faire 1, 2, 3, 4 et comme ça, ça fera un rond. Parce que le truc c'est que si on fait ça, regarde. Oh là 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 là. Ah, ou c'est peut-être pas mieux de le mettre dans l'autre sens. Non, ça va faire carré si on fait comme ça, je crois. On fait le tour avec ça. Là, ça fait clairement un carré, quoi. De toute façon, là, ça va aller très vite. Vous allez pas tout voir parce que je pense qu'il y aura beaucoup de trucs ratés. On va devoir recommencer des trucs et tout. Le plus important, si vous êtes là, c'est surtout la suite. On va l'accrocher, ce chapeau, sur ma voiture. Et après, on va essayer d'aller le montrer à Inoxtag aussi. Bon, allez, on essaie de mettre la paille. Nanana. Bon, ça commence déjà à ressembler à un petit chapeau, là. C'est cool. Ça va être galère, par contre, de le faire bien arrondi. Quand on a monté le chapeau, on a oublié de se dire peut-être qu'on ne pourra plus le sortir. Donc, on va devoir le faire passer par le toit. Depuis tout en haut. Génial. Oh, j'en ai marre. J'ai envie d'arrêter tout, là. Pourquoi? C'est comme ça, c'est la galère. On le met un peu au-dessus? Ou en dessous? Voilà, en dessous, en dessous. Là, oh là là, c'est une catastrophe. Moi, je sens que ça commence à tourner au ridicule. Moi, ça commence à me démotiver, tout ça. Oui. Putain, moustique de merde là. J'en ai marre, c'est trop dur. C'est une catastrophe. Là, on vient de niquer un truc de ouf. Oh, ça me pète les couilles, putain. Ils sont trop petits, les trucs de con. Bah là, ça fait trop chapeau de cow-boy là. Ah, j'ai envie de péter un plaque câble, je sais pas pourquoi. Ah, Pio, on arrête là. Pourquoi? C'est horrible. Bon, on a fini le haut, c'était pas facile, vraiment, dans ma tête ça allait tellement être plus simple, j'ai voulu arrêter 1000 fois. Aller faire un truc d'une forme ronde avec de la paille, c'est atroce. J'ai pas fait ça pour que ce soit beau ou de la décoration de fou, je me suis juste dit, je vais essayer de faire le chapeau de Luffy en géant. J'ai pas dit, je vais essayer de faire le chapeau de Luffy magnifique, je fais de mon mieux. Et là, c'était de mon mieux. Ok, maintenant on va mettre la paille en bas et là tout de suite ça aura une meilleure gueule de chapeau déjà. T'es prêt, Pio? Plus. Bon, on a mis ces deux là. Et déjà, regarde, vas-y, Pio, prends un peu de le recul. Déjà, ça rend bien, je trouve. Donc, on se donne rendez-vous demain pour finir ce chapeau. Bisous. Bon, on est jour numéro 3. On doit finir du coup ça et ça. Et après, c'est terminé. On trouve une solution pour sortir le chapeau de chez mes darons. Parce que là, oui, on est chez mes darons. Et on va le passer au-dessus de la maison. Ça y est, c'est pratiquement terminé. Là, on fait des petits rajouts en plus. Après, bébé. Attends, qui parle dedans là? Tu es un robot, tu sais. J'ai un robot, y'a qui dans le chapeau? ChatGPT. ChatGPT, il est là. Ah ah ah. Y'a mon père à l'intérieur. Bon, vous avez vu les fans de One Piece? On a descendu le bandeau rouge, donc j'espère que là vous allez kiffer. Je pense qu'il devrait être encore un tout petit peu plus bas, ça serait parfait. Mais après, y'a aussi de la misère qu'on devait cacher. Ça, avant, on le voyait pas ça. En tout cas, y'a de la gueule, il est stylé. Hein. Y'a juste un petit problème aussi, c'est que ça là. C'est trop court, on aurait dû le faire plus large. Là, ça fait plus chapeau cow-boy en vrai. Mais ça passe. Bon, finalement, on n'a pas eu besoin de le passer au-dessus du toit, c'est passé. Et regardez, mon père, il me prête sa voiture. Oh putain, la tête. On va se déplacer. Waouh, incroyable. Là, on va essayer de l'attacher et après, on va se déplacer. On va essayer d'aller voir. Non, mais tu peux pas, t'as dit. Pourquoi? Ça dépasse le truc. Là, c'est la douche froide. C'est le gamin qui veut s'amuser et que son père lui dit. C'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux, il a dit. On le fait? Je sais pas quoi faire. En vrai, c'est nul là. Si je vous dis juste, on a fabriqué le chapeau, voilà, c'est fini. Salut, merci d'avoir regardé la vidéo. Nul. Ouais, ça serait carrément nul de finir cette vidéo comme ça. C'est pour ça que je vais attacher ce chapeau sur la voiture et rouler avec. Et bien évidemment, pour finir, on va essayer de le montrer à Inoxtag. Let's go!
putain, ça va être une galère à porter. Voilà. Oh putain, ça passe pas. Et là, vous rendez mieux compte de la grosseur du truc. C'est parti. On attache tout ça et après, let's go, on part. Non, non, non. Non, là, on doit aller à Toulouse. Non, je rigole. Bonne journée. La police, si vous tombez sur cette vidéo, on ne veut rien faire de mal. Je vais juste faire un petit tour de quartier. On va vraiment rouler doucement. On va faire attention. Je me rends pas compte, je vois pas de l'extérieur, mais j'espère que ça rend bien en tout cas. J'aurais trop aimé aller sur Paris avec et tout, mais j'habite trop loin de Paris. Si j'ai fait cette vidéo, c'est surtout parce que j'adore la construction. Et en ce moment, je savais pas quoi construire. Et quand j'ai vu le teaser d'Inox avec le chapeau de One Piece, je me suis dit, mais ça serait super drôle de faire le chapeau de One Piece énorme. Et juste un jour avant son film. Oh là 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 là. Eh, vous l'aimez bien? Ça va quoi? Ça filme lui. Vous l'aimez bien ou pas? Il est beau ou pas? Ils ont kiffé mon chapeau. Hein. Putain, il y avait du monde. Tu m'as mis devant du monde là. Attends, Béo m'a dit viens, on va là-bas, il y a un collège. Déjà, c'est bizarre, il connaît bien l'endroit des collèges. Et je pensais pas qu'il y avait autant de monde, putain. C'est ça, ouais. Tu les connais bien, les collèges. Bon, allez, on va voir Inox Tag. Faut qu'on parle. Premièrement, j'ai envoyé un message sur Instagram à Inox. Il m'a pas répondu, c'est normal, son film sort demain. Là, il est pris de fou, mais j'ai envoyé un message à son producteur. Et je lui ai dit, je parlais d'un truc avec lui. Bon, voilà, je vous le dis, il m'a envoyé ma place demain au Grand Rex pour aller voir le film d'Inox Tag. Je suis archi content déjà. Et juste après, je lui ai dit, au fait, BG, regarde ce que j'ai fait en rapport avec Inox en géant. J'imagine qu'il doit être surchargé de fou, mais j'avais envie de lui montrer. MDR. Et là, il me répond quoi? Haha, je vais lui envoyer. Sauf que moi j'avais mon téléphone dans la poche, j'avais pas vu. Et 10 minutes après je vois ça, je me dis, mais non, il faut qu'il le voit en vidéo, je me suis mal fait comprendre. Je lui dis, attends, je voulais lui montrer en vrai MDR. C'est pour une vidéo, j'ai pas été clair dans mon message, PTDR. Je lui ai déjà envoyé. Et il a dit que c'est grotesque. Ah. Déjà on sait qu'il a vu le chapeau et il a kiffé. Mais je voulais quand même lui montrer en vidéo. Du coup je lui ai demandé est-ce que je peux passer pour lui montrer le chapeau quand même, pour voir ça en vrai. Il m'a répondu ça. Écoute frérot, j'essaie de te redire, là honnêtement pour le mois de septembre déjà je sais que c'est mort. On va être booké jusqu'à fin de septembre. Je t'en dirai pour début octobre si c'est jouable ou pas mon frérot. Ouais je sais, vous vouliez avoir la réaction d'Inox, moi aussi. Mais vous savez quoi, on va peut-être faire un épisode 2. Et ça sera seulement grâce à vous. Si vous mettez un maximum de likes, abonnez-vous à cette chaîne. Et vous me dites en commentaire qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce chapeau aussi. Là on l'a mis sur la voiture, mais on pourrait faire quoi d'autre. Comme ça on va faire un nouveau truc avec le chapeau. Et après on va aller le montrer en vrai à Inox Tag. Donc c'est à vous de jouer. Ah oui, j'ai oublié. Abonnez-vous hein. Merde, je voulais mettre la première.